L'individualisme forcené qui caractérise nos sociétés modernes a donné naissance à des comportements égoïstes, voire criminels, contre lesquels il nous faut réagir sous peine de voir se détériorer notre tissu social. L'État n'a pas échappé à la dérive. Abusant de leur pouvoir, certains de ses serviteurs ont mis leurs fonctions au service de leurs intérêts personnels. Il faut que l'on sache que ces écarts de conduite continueront d'être sanctionnés. Cette action devra à l'avenir être plus dynamique et plus efficace. J'y veillerai personnellement.